Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc tranquille. Disons que j'avais des trucs super importants à faire. Et je suis quasiment sûr qu'en cliquant sur cette vidéo, vous vous êtes dit « Non mais y'a rien à dire sur South Park, pourquoi il en fait une vidéo ?» Bah pour la simple et bonne raison qu'un épisode de South Park, ça se fait en 6 jours. Du coup, on va voir comment ils ont fait ces cons pour faire South Park. South Park est une série d'animation créée par Trey Parker et Matt Stone. Diffusée depuis le 13 août 1997 sur Comedy Central, celle-ci entame cette année sa 23e saison. Merci Wikipédia. Alors on n'est pas là pour aborder le côté subversif de la série ou ses différentes controverses. Quelque part, c'est pas mon problème si tu comprends pas South Park, hein. Nous, on va juste se concentrer sur le côté production. Et bien que l'animation de South Park soit assez simpliste, il n'empêche que produire 20 minutes d'animation en une semaine, ça reste une prouesse. Usually Simpsons and Family Guy, those shows take like 8 to 10 months, and we're doing it, you know, 6 days. No one does an animated show like this. Et avant de voir comment ils font maintenant, on va juste par curiosité voir comment ils ont fait le premier épisode, qui n'est absolument pas celui-là. So they'd put this mouth on, and then they'd shoot, you know, 2 frames of film, and then they would take that mouth off, and then they would dab it like that. That's how sometimes they'd get coffee on the teeth. It took the guys 2 to 3 hours to do one shot, and it took pretty much all summer to do the pilot. No, Kitty, this is my pot pie. No, Kitty, the bad kid. No, Kitty's not pot pie. Mom. Voilà, donc on est d'accord, hein, c'est pas de l'animation de haut level. Par contre, ça leur a quand même pris 3 mois. Donc du coup, comment on est passé de 3 mois à 6 jours? Déjà, l'arrivée d'ordinateur dans le processus de création va permettre de réduire ce laps de temps à 3 semaines, ce qui est déjà pas mal, putain. There's a season where you made the decision like we're gonna start turning it over in a week. No, it just started happening. Where we would do it in 2 weeks, and then we would do it, and oh my god, we just did a show in 10 days, I can't believe that was crazy. And then it was like, oh my god, 7 days, and it was like, oh my god, we just did it. And then it just turned into like, we just do a show a week, and it just kind of got there. Technology got to the place that we could do that too. 15 years ago, we were using $30,000 desktop boxes that were really specialized, and even they were like creeping slow compared to now, what we just have Macs off the shelf. So basically, the show can keep up with as fast as we can go. Du coup, la première question qui me vient là maintenant tout de suite à l'esprit, c'est qui ces gros tarés? Is that why you're in the dress? It's just such a magical evening, and everyone looks so spectacular. You know, we just wanted to be a part of it all. It's a night of magic. What? Come on. Only thing we could have done a little bit better is we could have put powdered sugar all over our noses. Just have been totally like, fuck you. I also remember actually then having to sit there in the actual Oscars, and you're coming down off the acid. And so you're simultaneously coming down, and you're having to now sit through the Oscars, which fucking stuck. Hey! Des gens stables. Trey Parker et Matt Stone forment un duo inséparable. Les gars sont là depuis le début. Le scénario est réfléchi ensemble, puis est écrit par Trey. Les gars gèrent la réalisation, et comme si ça suffisait pas, ils font aussi des voix. Cut to the fish, he's about to come out of my asshole! Oh, here it comes! Oh, it's going to be a rot! Hold on, Kaido! I believe in you! Et quand tu leur demandes l'intérêt d'une production en une semaine, les gars te répondent que c'est pour pouvoir réagir à l'actu. Et vu le principe de South Park, quelque part c'est compréhensible. Mais donc du coup, tu dis que les gars, ils ont quand même un plan, quand même, avant de commencer la saison. Un minimum, tu vois? Pas du tout! Les gars, ils sont en constante impro. Mais à un moment, tu t'attends à quoi? C'est South Park! There's a show on this Wednesday. We don't even know what it is. And like even though that's the way we've always done it, there's this little thing going, oh, you're screwed. You're screwed. And then I tried to get a diversion and play a little Xbox last night, and a big ad for South Park came up on the Xbox. And I found, you know, starting Wednesday, and I was like, oh, shit, just can't get away from it. Du coup, comment ils font? Bah, alors, déjà, pour commencer, les gars possèdent une équipe de 70 personnes. Ça aide. Chaque jeudi, notre duo d'allumés se retrouve dans une salle accompagnée des scénaristes. Et à partir de là, c'est le festival du grand n'importe quoi. Les gars, ils balancent à peu près tout ce qui leur passe par la tête. Et puis après, ben on voit quoi. It's like, Kyle's in trouble, we gotta help. He's like, fuck Kyle, I don't care. It's like, dude, he agreed to the iTunes terms and conditions. Like, oh my god, get him in his head. The joke is that everyone always reads that except for Kyle. Even Butters is sitting with him. Like, well, you... Well, how can you agree to something you didn't read, Kyle? À ce moment-là, je vais vous demander de vous mettre à la place de cette dame. Son taf, c'est de demander à Comedy Central s'ils peuvent faire tel ou tel truc à l'écran. Je rappelle, on parle de South Park. When they shit into each other's mouths, we're not gonna see feces in the iteration that I have seen so far. But I don't know what's gonna happen at the end yet. We haven't written the end.
Maybe, yes, maybe we see them being sewn together. Yeah. Thanks, happy Easter to you too. Il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que parfois l'écriture d'un épisode s'étend sur toute la semaine de production. Traduction, il y a des moments, le script final atterrit 12 heures avant la diffusion. Joie, bonheur, félicité, pain au raisin. Notice that a lot of the people that work here, they'll be going walking by back and forth and they're always kind of, because they know the more we're laughing in there, the less hours they probably have to work in here. When they walk by, there's no laughing, and Trey's doing this, and I'm pulling up my hair, and I'm sitting there like, three in the afternoon, yeah, they're like, we should God, be done. We're gonna be here fucking late tonight. Yeah, yeah. These guys can't think of anything. Dès qu'une idée est validée, Trey s'occupe de pondre un script. On enregistre les voix off, et à partir de là, c'est au tour de l'équipe technique. Comptez entre 100 et 120 heures de taf par semaine. Ah oui, non, mais ta vie, tu l'oublies, copain. Tu prends ton sac de couchage et ton coussin, et puis go, hein. On diffuse mercredi prochain, je te rappelle. In this building, you not only have to be good and diverse, but you also have to be fast. Because if it takes you 4 days to get something done, you can't really contribute. When push comes to shove and we're in production, people just have to be able to turn stuff around. Most studios have a storyboard department, and all they do is storyboard. And then you'll have a character design department, and all they do is character design, and then they'll have a background design department, and they'll all get a couple of days or 3 days or so to at least do their job. Everybody in here does all that, and in 1/10 of the time of a normal studio. On est bien loin du pilote niveau outil. Alors actuel, South Park est animé sous Maya. Et en parlant d'animation, alors ok, hein, je suis d'accord, hein, c'est toujours simpliste. Mais vous savez, entre nous, je pense qu'il y a 2-3 trucs auxquels vous pensez pas forcément quand je vous entends dire. Les South Park, ils sont pas chiés. Hi, my name is Leslie. I'll be your genius. En moins de 6 jours, je rappelle, hein. Et cette pression au niveau des deadlines, les gars peuvent aisément se le permettre. À l'heure actuelle, le South Park Studio possède des fermes de rendu capables de calculer plus de 30 plans par heure. Bon alors après, les deadlines constantes, ça a aussi des inconvénients. Hey, script's here, guys. Hey. Oh, thanks, Rick. Le fait est que malgré tout ce que j'ai pu dire sur le côté improvisé ou sur les délais affligeants, bah les gars, ils ont jamais loupé une diff. Enfin si, une fois à cause d'une panne de courant pendant l'épisode 4 de la saison 17, et une autre fois, mais cette fois ils ont réussi de justesse, c'était à cause d'un crash système, et c'était l'épisode 1 de la saison 20. Mais en général, ça se passe comme ça. 18 minutes to have this tape feeding to New York so that they could begin roll. Let's go, you're waiting for this guy. Is that an official role? Excellent. Great. All right. See you again next week. All right, guys. Thank you. Et ben voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé. C'était comment ils ont fait ces cons pour faire South Park. À la prochaine.